the It's an almost forgotten footnote in history. but this month African leaders gathered to commemorate the Brazzaville Protocol. That was a peace agreement signed 25 years ago, in terms of which Cuban troops were withdrawn from Angola, and the white South African regime ended what had been open warfare against neighboring black ruled states. Little more than a year after the protocol was signed, Namibia gained independence. Nelson Mandela was released from prison, and the final domino fell with the election of a democratic non racial government in South Africa. Denis Sassou Ngeso signed the protocol at the end of 1988 as president of the Republic of Congo. Within two years he was driven from power, only to return as president after a bitter civil war. Despite serious concerns about corruption in the country, President Ngeso has nevertheless retained power and insists he maintains popular support Though more than half of the country's four and a half million people live on just over a dollar a day, he sat down to talk to Al Jazeera in the capital Brazzaville, where the agreement that changed the face of the continent was signed. President Dunis thank you very much for talking to Al Jazeera. To begin, the Brazzaville Protocol, a footnote in history. Yet it brought peace to Southern Africa, led directly to the independence of Namibia, and the democracy of South Africa. The release of Nelson Mandela just a year after it was signed. Are you proud of the role you played in that protocol? Yes, it's true. It's a moment that our people live with pride because if we look closely. Les accords de Brazzaville ont été signés le 13 décembre 1988. Et je pense que c'est à peu près un an après, je crois 9 novembre 1989, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et donc c'était déjà un signe avant-coureur, un message très important qui annonçait... moment historique. Yes, it was at that moment that the Cuban troops withdrew from Angola. The Cold War ended. The U.S. the Soviet Union had been using Africa as their playground. They'd been fighting their war on African soil. That was the end, was it not, to that kind of direct foreign interference in the affairs of Africa? I don't know if it was. l'Union soviétique seulement. Et je crois que euh, l'Afrique, à ce moment-là, était quand même euh, comme euh, un champ de, de bataille des de grandes puissances pendant la, la guerre froide, parce qu'il n'y a pas de doute que euh, derrière euh, l'Afrique du Sud, il y avait l'Occident. Et derrière Cuba et l'Angola, il y avait l'Union soviétique. Et voilà pourquoi nous pensons que ces accords annonçaient véritablement la, la, la fin de la guerre froide, mais l'Afrique était le champ de bataille, je pense, de ces deux superpuissances. Pas seulement l'Union soviétique, en fait, d'après moi. In 1990, Nguesso established a multi party democracy, but as a result of it, he was ousted in the elections of 1992. The political fight turned into violence between militia loyal to Nguesso on the one hand and his victorious opponent, Pascal Lesuba, on the other. All this leading to all out civil war in 1997, more precisely on June the 5th, when Nguesso's militia staged an attack on government forces. Resulting in a violent response. Pascal Lusuba fled Brazzaville and N'Gesso proclaimed himself president. Since then, recriminations, subsequent elections boycotted by some opposition groups. Are you satisfied with where democracy, political democracy, is today in the Republic of Congo? Well, uh, in reality, period Euh, véritablement, euh, l'opposition a, a boycotté le processus. Euh, je voudrais surtout profiter de cet instant pour faire savoir que euh, ce qui s'est passé euh, le 5 juin 97 euh, n'était pas euh, du tout euh, un, un coup d'État. Il n'y avait pas du tout de coup d'État. Il y avait en réalité une réaction d'une euh, partie importante du peuple euh, qui ne supportait plus ce qui s'était passé entre 1992 et 1997. Il n'y avait, avait aucun projet de coup d'État. Malheureusement, on s'est retrouvé dans cette situation de guerre civile. Mais après la guerre civile, nous avons recherché... La paix véritable, la réconciliation nationale. On a tenu plusieurs réunions, des conventions pour la paix, des réunions ouvertes pour la réconciliation nationale. Et puis, le processus a été engagé jusqu'à aujourd'hui. Depuis cette date, il y a des consultations périodiques. D'ailleurs, dans quelques mois, il y aura des élections municipales. Et, et régional dans le pays. Le processus en réalité est en marche. Are you going to still be part of it? Are you going to stand for a third term, Mr. President? Ce n'est pas une question à l'ordre du jour aujourd'hui. J'ai encore quelques deux ans et demi de mandat. Nous pensons que le plus important, et je crois que notre peuple l'attend aussi, est que nous accomplissions notre programme et réglions et, les problèmes économiques et sociaux qui qui le préoccupent. You would, if you did have to take part, have to change the constitution. The constitution says the president can only run for two terms. Um, would you consider amending the constitution so you could run, Mr. President? Et il faut que ce soit avec la volonté de, de la majorité du peuple. Et ce sera. Certainement pas euh, une volonté personnelle de pouvoir. Et, il faut vraiment que la majorité du peuple le souhaite ainsi. Now there has been small examples of, of dissent uh, last year. For example, there was a armed insurrection, a small one, within the Republic of Congo, which Uh, your security forces put down. Was this an isolated incident do you believe or are you concerned that there's wider potential armed opposition, those who want to unseat your government by force? The, de quel incident, uh, réellement? Je, je pas. the incident which led to the arrest of um, Colonel Nduru um, where there were a number of people killed Un colonel, oui, il y a eu un incident assez sérieux quand même à l'intérieur d'un camp militaire. Et un colonel qui s'est retrouvé quand même avec un peu plus d'une centaine de jeunes gens en armes, avec des armes de l'armement de guerre dans une résidence. Et cette situation ne pouvait pas être laissée en, en l'état. Oui, elle, a, elle avait été effectivement circonscrite euh, et, et traitée. Euh, je crois qu'elle a, elle a eu juste les dimensions euh, qu'il fallait et pour que pareille chose ne soit pas euh, laissée comme un chancre, non, dans une caserne militaire. Ouais. Will this colonel himself be brought to trial, the man who L'aide cause of this incident. Bah, Il en avait déjà connu un. Euh, C'était à la suite euh, euh, du drame du 4 mars. Lorsqu'il euh, y a eu explosion euh, de matériel militaire euh, dans une base euh, au centre de la ville ici, il avait été condamné avec un sursis. Et, il a eu le, le temps de, de se défendre librement, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas toujours le cas. Et, et il est entre les mains de la justice. To move on to a wider issue, nous avons parlé de la Cold War ending, de foreign influence being removed from Africa. Your relationship with France has always been. Sometimes difficult with the old colonial power, what role do you think France plays in the development not only of the Republic of Congo but also the wider part of Africa? Are you satisfied with the degree to which France intervenes intervention en Afrique, We parle française in africa Je crois que vous pensez au Mali, à la République centrafricaine. Euh, là aussi, on peut dire que euh, la France euh, n'est intervenue dans ces pays qu'après un, un vote euh, d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui l'autorisait. Et dans ces conditions, aujourd'hui, euh, en Centrafrique, par exemple, euh, Uh, les troupes uh, de, de cette région, dont celles du Congo, uh, coopèrent uh, et, étroitement avec uh, les troupes françaises en vue de ramener la paix dans ce pays. On that issue of of Central African Republic, um, you had the president here, you are a mediator in resolving that particular conflict. What do you think can be done to help? vous et vos efforts de et la République ce conflit là voyez, en Centrafrique, aujourd'hui, euh, on, on, on fait face à, à un certain nombre de défis très importants. Des centaines de milliers de personnes euh, ont quitté euh, leurs habitations, sont déplacées à l'intérieur de la Centrafrique et dans les pays voisins dans le dénuement total. Ils ont tout perdu. Et donc, il y a des centres de réfugiés dans les pays voisins, des centres de regroupement des populations déplacées à l'intérieur de Centrafrique. Et un, si on ne fait pas attention, on peut aller vers un désastre humanitaire. Bon, Il y a aussi un problème de justice, parce qu'on ne peut pas aussi laisser des gens assassinés euh, d'autres personnes euh, en toute impunité et sans que la justice s'exprime. C'est donc euh, aussi là euh, un défi euh, important qu'il faut relever puisqu'il faut remettre euh, euh, la justice euh, à sa place pour que euh, les assassinats et les crimes dans le pays ne restent pas impunis. Vous voyez que c'est un vaste dossier qui nécessite vraiment la mobilisation de beaucoup de forces, beaucoup de moyens matériels, financiers, techniques. Et donc, à notre avis, mobilisation de la communauté internationale. To move on to the economy, you are one of the few world leaders. Who presided over the movement from a Marxist system of economy to a free market economy? The difficulties were immense. But now, do you see the economy as reaching what you would hope an end to that transitional period, movement from Marxism to free market capital economy? Do you see in the Republic of Congo? That the transition is completed. Oui, mais c'est aller dans le, le sens de l'histoire, non? Ce, ceci est, est valable pour le Congo, qui n'était pas déjà arrivé à un niveau si élevé que cela du marxisme. Parce que quand c'est en Afrique, on veut donner à cela eh, des dimensions extraordinaires. Sinon, eh, en Europe, eh, tous les pays d'Europe de l'Est eh, les Roumanies, Bulgarie, Hongrie, et Pologne, etc. Et tous ces pays ont fait euh, leur mutation. Et, et puis, c'est une mutation qui, qui se déroule euh, normalement. Et, ici en Afrique, au Congo en particulier, nous n'étions même pas encore arrivés à une économie de type socialiste. C'était euh, une aspiration. Donc, euh, difficult for Congo to adapt the 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 stability of Congo is very important as an example to the rest of Africa, as well as for the people of this nation. What do you think can be done that isn't being done to help support? Mais nous pensons que ici, euh, nous avons créé euh, les conditions euh, pour l'essentiel, euh, pour que tous nos partenaires de par le monde euh, viennent à nous, pour que euh, dans le respect des intérêts des uns et des autres, nous travaillions ensemble. Euh, tout à l'heure, on parlait de paix, de stabilité, et, mais au-delà, nous avons euh, fait des efforts importants pour donner à ce pays un minimum d'infrastructures de base. Euh, vous êtes ici dans le pays, peut-être vous pouvez euh, voyager et regarder euh, comment en une dizaine d'années, nous avons... Par exemple, multiplier la production de l'électricité par six. On a construit des routes, des aéroports. On a développé les télécommunications, fibres optiques. On a conçu des ports euh, fluviaux, le port de Pointe-Noire hein, en eau profonde. Disons qu'on a mis en place des infrastructures de base. Et puis, on a amélioré euh, un peu l'environnement des affaires pour rendre euh, plus attrayant quand même euh, le pays euh, à des investissements extérieurs directs. Euh, Aujourd'hui, tous les pays du monde, jusqu'en Australie, euh, et, et viennent euh, s'associer à nous dans des secteurs comme ceux des mines, euh, les Malaisies. Euh, et d'autres, euh, comme le, dans le secteur de euh, l'exploitation forestière, et dans le secteur du pétrole, du gaz, euh, euh, des mines solides de manière générale. Donc, euh, en gros, nous avons créé ces État temps euh, un ensemble de conditions euh, qui permettent à ces partenariats de se développer. Vous avez mentionné One of the issues about foreign investors was corruption. They believed that corruption was endemic in parts of Africa and even in your own country. Do you believe that the fact that you are now getting investors interested, that they have been here, that your fight against corruption has succeeded, that you've managed to remove corruption from the system? Et la corruption, c'est un, un phénomène mondial. Et ce serait seulement une erreur. Et vous, surtout au niveau des médias, euh, de présenter euh, la corruption comme un phénomène africain seulement. Euh, c'est un phénomène peut-être euh, qui a été apporté en Afrique euh, par d'autres. Donc, euh, c'est un phénomène que nous combattons. Mais nous devons cesser de parler de la corruption comme un phénomène africain. C'est un phénomène mondial. Et quand on parle des corrompus, il faut parler aussi des corrupteurs. Et souvent les corrupteurs viennent d'ailleurs. C'est un phénomène que nous combattons, oui, et personne ne peut pas le tolérer, mais il doit en réalité être combattu partout, dans tous les pays. Je vous dis qu'il y a la, la corruption dans tous les pays, si on regarde bien. Alors ici.. Euh, nous avons des institutions euh, d'État qui sont mises en place euh, pour lutter contre ce phénomène, et nous pensons que tous les autres peuples du monde doivent euh, lutter contre ce même phénomène et que, qui est mauvais pour le développement économique et social des de, de pays. You're arguing that the fight against corruption is as much a battle from the outside as from the inside of every state. Oui, je pense oui, euh, parce que euh, des corrupteurs euh, euh, venus d'ailleurs sont souvent rencontrés en Afrique. Oui, je pense qu'il y a la corruption euh, en dehors de l'Afrique aussi. You have presided over a country for decades. You've seen a change in economies from Marxism to capitalism. You've seen A movement from dictatorship to democracy. Do you think that the journey of the Republic of Congo is complete? Do you think that more needs to be done to ensure that the society can intensify its democracy and intensify its economic development? What would you still like to see done? Uh, no, it's, it's a country in chantier, it's a young country. Et qui a et ses chances. Et on peut me dire qu'il est encore vierge, mais c'est un pays qui a euh, des ressources euh, humaines euh, suffisantes, et population jeune, euh, scolarisée. Et donc, euh, assez, assez éduqués, quand même, parce que euh, il n'y a pas longtemps, nous avions dans le pays euh, un taux de scolarisation de presque 100%. Aujourd'hui, peut-être 85, 90% même. Puisqu'il y a eu euh, les crises dont nous avions parlé, les guerres civiles, mais tout ça est remonté. Donc, une population jeune, dynamique, instruite, et nous avons des ressources naturelles et importantes, une position euh, privilégiée dans cette région. Nous sommes comme un pays de transit pour l'ensemble de la sous-région. Donc, euh, nous pensons que notre pays est en plein développement et a un taux de croissance euh, euh, suffisant euh, autour de 5 au cours de. Ces dix dernières années, je pense qu'il pourra se maintenir à ce niveau, peut-être même augmenter. Et alors, euh, la démocratie est, est en marche, avec des insuffisances, mais elle est en marche. Le pays est en paix. Nous pensons que nous allons continuer à développer notre pays au cours des prochaines années. A final question, Monsieur le Président. you think la chose la plus importante que vous avez learned? As a leader over all these decades. On n'aura jamais connu l'homme assez. C'est très difficile euh, euh, de connaître l'homme et de le, le comprendre. On est toujours euh, un éternel euh, apprenti. Euh, vous voyez, euh, dans mon cas, euh, j'ai pu connaître euh, le pouvoir sur cette face pendant quelques douze ans. J'ai vu donc des hommes, les mêmes Congolais. J'ai perdu le pouvoir sur ces cinq ans en dehors du pouvoir. Donc j'ai vu les, les mêmes Congolais. J'ai vécu avec eux. Et je suis revenu aux affaires après ma perte du pouvoir. Et, il y a une quinzaine d'années. Donc, je reviens encore. Je revois les hommes. Et, et donc, euh, il faut toujours euh, apprendre. On, on ne connaîtra jamais l'homme assez. Et sur ce point, je pense qu'on est toujours des euh, éternels apprentis. Monsieur le Président, so merci beaucoup pour parler à C'est moi que vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Thank you very much.